Le numéro 17, Emma Collonge, grise donc par l'Ordre du Sud. Elle est née le 18 mai, présentée bien sûr par Gaëc Delorme, les Collonges. L'Ordre du Sud et Cathy Collonge par l'Utantique. C'est la nièce de Hussard Collonge. Alors on parle beaucoup de Neptune Collonge, de Nénuphar, de Baccarat, mais Hussard. Lui-même, lui aussi, fut un champion. Il a remporté le Royal and Sun Alliance Chase. Alors, qu'est-ce que c'est que le Royal and Sun Alliance Chase? On va pouvoir marcher désormais. Eh bien, c'est l'un des groupins principaux du meeting de Cheltenham. Une épreuve extrêmement importante. Une épreuve très, très importante sur l'hippodrome de Cheltenham, c'est Hussard Collonge. Alors, Cathy Collonge, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie? Eh bien, écoutez, elle a gagné 3 courses déjà elle-même. C'est déjà un bon début de carrière. Elle n'a pas encore donné de vainqueur en termes de production, mais ce n'est que son 4e produit avec cette très belle fille de l'Ordre du Sud. Voilà, super bien équilibré avec une tête bien et bien large. Un chanfrein démonstratif, l'Ordre du Sud, l'Utantique, quart de vin. Voilà les noms qui, voilà des noms qui sonnent doux aux oreilles. L'Ordre du Sud, donc, qui était entraîné par Jean-Claude Rouget. Et qui continue de Jean-Claude qui annonce à qui veut bien l'entendre qu'il croit beaucoup en cet étalon. L'Ordre du Sud, le père de ce 17, Emma Collonge.